Et coucou, on se retrouve pour le défi de Sophie Créa. Défi qui... Oula, j'ai pas retenu les dates. J'ai pas écrit les dates et je les ai pas retenues. Bref, je vous mettrai sa vidéo du défi en barre d'infos. Si j'oublie pas, parce qu'à chaque fois j'oublie, dites-le-moi si vous voulez que je retrouve les liens à chaque fois. Comme ça, je remédierai tout à ça. Bref, bon, fauteuil qui grince. Alors... Il tombe plus, il descend plus tout seul parce qu'on l'a percé avec une, bref, une vis, hein. Mais en attendant, il grince. Bref, passons. Du coup, défi de Sophie Créa proposé par Scrap Lisa, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Donc, c'est de faire un mood board Halloween avec comme petite chose à mettre absolument dessus, entre guillemets, c'est des tamponnages et de la pâte de structure. Voilà. Donc, j'ai préparé tout plein de choses. J'ai préparé mon petit mood board. Alors là, cette fois, je l'ai préparé avec avec du washi. Ce sera plus simple que la dernière fois. Surtout que là, je vais faire mes muses avec des distress. Donc, surtout avec une distress en particulier. Mais il faut que je mette mes éléments en place. Donc, on va voir ça ensemble. Du coup, j'ai préparé aussi un petit pochoir. Bref, vous allez voir au fur et à mesure tout ce que j'ai préparé. Quoique le pochoir, est-ce que je m'en sers pas en même temps? Ah, aïe, j'ai un doute. J'ai un doute sur ce que j'ai envie de faire. Bon, on va déjà après sortir ce que j'ai préparé. En amont, c'est des petits tamponnages, mais qui vont servir de masque. Voilà, tout simplement. Hop, lui, il va venir par ici, je pense. Là, il va y avoir, je sais pas pourquoi j'en ai fait autant, j'en ai pas besoin d'autant, mais bon, c'est pas grave, je vais en avoir besoin de trois. C'est de base, je voulais en faire plus, tout simplement, mais bon. Ça va venir quelque part par là, comme ceci. Question d'habiller mon fond. Ah, j'ai des gros doutes là en fait sur ce que j'ai envie de faire. Voilà, super. J'étais bien préparée, mais j'ai des gros doutes. Du coup, on y va. On y va, on y va. Déjà, on va prendre mon petit fantôme pour venir tamponner sur le fond, n'est-ce pas? Hop, je viendrai le colorier. Colorier, pas besoin de beaucoup colorier le fantôme, mais bon, me comprends. Hop, alors la vidéo risque d'être un petit peu longue, hein. Donc prenez un café, un chocolat chaud, quelque chose, mettez-vous à l'aise parce qu'on est là pour un petit moment. Donc voilà déjà pour notre petit. Fantôme. Hop, je nettoie tout et je range tout en même temps parce que sinon ça va être un chantier sur mon bureau et j'ai pas envie. Au niveau de notre fantôme, on va lui mettre un visage, n'est-ce pas? Hop, sinon c'est pas drôle. Hop. Et voilà à quoi ressemble notre petit fantôme. J'adore cette planche Olen Create là. Elle est top. Parce que ce soit dans le fantôme ou dans la citrouille, on peut changer le visage. Et j'adore. Voilà. Du coup, la citrouille de base, j'en voulais une quelque part par là, je pense. Hein. Mais ouais, si je vais en faire une ici. Est-ce que j'en fais une ou pas? J'ai un doute maintenant. Peut-être pas en fait. Peut-être que je viendrai en chercher une que j'ai déjà faite pour la coller par-dessus carrément. Pour qu'il y ait un peu d'épaisseur. Pour pas faire que du tamponnage dans le fond. Donc là, j'ai besoin de mon petit tampon pierre tombale qui est là. Pourquoi je range mon encre à chaque fois là? Je suis perturbée aujourd'hui, j'arrive à rien. Je fais tout n'importe comment.
Juste avant cette vidéo, j'ai fait la vidéo du défi de Sylvie. Pareil, je sais pas, je me suis. J'essaie d'être speed, mais en même temps, je me suis plantée sur ce que j'avais envie de faire. Je trouvais ça un peu décevant ce que j'ai fait. Oui, il y a des jours comme ça. Hein. Hop. Alors, attendez. Si. Hop. Ouais, parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Mais si. Et ce qu'on va faire, on va le mettre par-dessus. J'ai pas besoin de le faire tenir. Hein. Il va tenir tout seul. Hop. Parce que j'en veux une autre qui vienne un peu derrière. Ok. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc pour ça, on est bien. Ensuite, c'est là que ça va être marrant. Pour la bande que vous voyez au milieu. J'ai quelque chose en tête. Par contre, est-ce que je vais y arriver? Bon, il n'y a pas de raison, mais. Faut juste que je vérifie avant si j'ai tous les éléments. Oh, si je devrais avoir ce qu'il faut. Je n'ai même pas vérifié. Allez. Il me faut une planche que j'ai oublié de prendre. J'ai. Et volontairement, pour faire les masques, parce que j'aurai besoin d'un masque aussi. Bah, j'ai pas fait sur du papier fin comme j'ai fait là. Parce que j'en ai plein d'avance et que j'avais pas envie de m'embêter à les découper, clairement. Désolée pour le bruit. Donc je me servirai de tête que j'ai déjà. Donc, vous l'aurez compris, je vais me parler de tête. On va faire des tamponnages de tête. Ici. Tout le long. Parce que j'aime bien l'idée. Tout simplement. Une qui regarde par là. Non, elle est petite celle-là. Celle-là est un peu plus grosse. Et on va reprendre la. Ouais, non, je sais pas. De toute façon, je peux les caler toutes, ça c'est pas le problème. Juste que j'arrive à faire quelque chose de propre. Et on va reprendre là, ici celle-ci. Et voilà. Et pour faire les masques après, ben, je prendrai dans ma petite boîte où j'ai tout plein de petites têtes, de petites choses. Normalement, j'aurais retrouvé les mêmes. Par contre, j'ai tout allongé, mais je vais pas toutes les tamponner en même temps. Ça va être un petit peu complicado. Donc, on va les faire une par une, mais en laissant positionner les autres copines. Là. Ça sera plus simple, je pense, pour moi, pour pas me tromper. Pour pas les faire trop en décalé. Donc, c'est parti. Et de une. Ok. Vous allez me dire, j'aurais pu directement coller des têtes que j'ai déjà, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. J'avais envie de les tamponner sur papier de fond. Hop, je nettoie en même temps. Hein. Je les ai mal. J'ai déjà mal mise. Je ne voyais pas l'écart correctement. C'est pas grave. Décaler un petit peu quand même. Ouais, c'est bon. C'est pas gênant. Hop, voilà. Pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est bon. J'ai rangé mes tampons. Je les ai remballés. Hop. Voilà, donc là, je vais venir chercher des petites têtes. Alors. J'en ai plein. Faut juste que je trouve les bonnes. Ça va être autre chose. Hop. Allez, normalement, c'est bon. Là, j'ai ce qu'il faut. Du coup, c'est parti pour faire mes muses. Alors, celle-ci, je sais que je l'ai vue. Elle est là. À quelque chose près, elles sont un peu différentes, hein, mais celle-ci, c'est celle-là, impeccable. Celle-là, non, c'est pas elle, c'est elle. Celle-là, et c'est nickel, en plus j'échappe, impeccable, pas de double pour l'instant. Alors attendez, je regarde. Dans ce sens, avec les petites dents picot là, c'est celle-ci, voilà, regardez-moi ça comme c'est parfait. Hop, ok, donc je vais me munir de
Mince. Je l'ai fait tomber. Hop là. Des petits stickers, sticky dots. Parce que mine de rien, c'est bien, mais ça s'enlève. Tout ça s'enlève. Ça tient, mais si on tire un petit peu dessus, bah, ça s'enlève, quoi. C'est juste que je trouve que l'idée est pas mal pour masquer, entre guillemets. Mais... Ouais, j'ai peur que ça soit trop épais, par contre. De faire des bêtises. Faut vraiment que j'achète de la colle repositionnable. Je vais tester comme ça. C'est pas grave. À moins que. À moins que je garde mes têtes comme ça en. En découpé et que je les colorie pas dans le fond en fait, tout simplement. Parce que ça peut être pas mal ce petit effet là, j'aime bien en fait. Hop là. Du coup, voilà, on oublie ce que j'ai à faire, on oublie les tamponnages. Oh, j'ai pas besoin. Hop, hop, hop. Voilà, pardon pour ça. Je vais venir ancrer par-dessus, c'est pas grave. Et je mettrai mes petites têtes là, je les mettrai par-dessus en un peu 3D avec les. Les sticky là parce que ça fait un tout petit effet 3D, j'aime bien en fait. En fait, du coup, là ce que je veux par contre, c'est hop là. J'espère que ça va marcher parce que ouais, les sticky, je pensais que ça allait le faire, mais ils sont un peu épais donc j'espère que ça va pas gâcher mon fond. On verra bien. Donc, je prends. Mes petites pierres tombales. Je sens que je vais tout arracher. Je vais faire du grand n'importe quoi. Oh, et vous savez quoi, hein? On verra bien. Pourtant, j'avais bien réfléchi à ça, mais... Pas assez, apparemment. Hop là. Ok, notre petit lui là. Il m'a collé au doigt, lui. Oh, il est tout berk. Il est tout berk. Parle bien la France, Marie. Ok. Et ok, on met deux sur notre fantôme. Pour être sûr de bien faire les choses. Ok. Donc, c'est là que j'hésite à mettre mon masque. Mon masque, mon pochoir. Ou je viendrai faire mes muses après avec, je ne sais pas. Non, je pense que je vais m'en servir maintenant. Y pense et y pense. Alors. Allez, tout pile ma page. Hein. Bien, je vais mettre droite. Il va falloir que je le fixe. Donc, on va prendre. Il est où mon scotch? Je crois qu'il y a des fois où j'aime bien me compliquer la vie. Hein. J'y étais au rouleau de masquage pour peindre, pour peinture, bref. Normalement, ça tient bien. Normalement. Et là, c'est parti, on va faire mes muses. Donc, je vais prendre une petite mousse. Oui, parce que. Quitte à me compliquer la vie, hein, on y va à la mousse. J'aurais pas pu ancrer autrement pour que ça aille plus vite, mais non. Bref. Et c'est parti, on va faire ça. Après, je vais peut-être pas vous garder entièrement pour faire la totalité de la page, mais bon, pour commencer, hein. Hop. Alors, je pars de l'intérieur de mon fantôme. Je viens pas vers l'intérieur parce que j'ai peur que ça passe en dessous. Clairement. Et je vais faire tout mon fond comme ça. Hop. Bon, après, ça va relativement vite là. Hein, en soi. Seul endroit où faut que je fasse attention, c'est là où j'ai mes pierres tombales et mon fantôme. Tout simplement.
bien partout. Bon, en fait, je suis la totalité avec vous. Ah mince, je peux plus bouger ma page. Désolée, vous ne verrez pas forcément le bas. Pas entièrement, en tout cas. Oh, quoique, quelque chose de précis. Oula! Alors, j'ai bougé ma pierre, ton voile. J'espère que ça va pas être gênant pour en dessous. On verra. Par contre, j'ai pas du temps de rasser le pochoir, ça fait qu'il gigote un peu. Puis c'est pas simple quand c'est juste des petites lignes comme ça là. Bref. Alors j'ai hâte, sans avoir hâte, de découvrir le dessous, hein, parce que clairement, quand j'ai enlevé le pochoir, voir ce que ça va donner, si j'ai tout râpé ou pas. Parce qu'avec la chance que j'ai, je vais bien faire des conneries quelque part. Hop, on enlève les traces de doigts éventuelles. Ok. C'est parti. Regardons ça ensemble. Oui, on va regarder ça ensemble. Hop. Je me colle les doigts. Attention, attention, attention. Suspense. Hop, je la pousse un petit peu vers le haut. Et c'est plutôt pas mal cette histoire. Moi je dis, c'est plutôt pas mal. Hop là. Du coup, on va enlever notre petit fantôme. Espérons ne pas déchirer. Est-ce que j'ai fait en dessous? Non, c'est bon. Impeccable. On croirait même que c'est un fantôme qui est mince, qui est collé dessus quoi. Limite, on voit un petit bord blanc ici parce que c'était pas très droit ou j'ai pas dû faire ma découpe très droite, mais en soi ça va. Mes petites pierres, eh ben on est plutôt pas mal aussi. Et ici, ouais, c'est là que j'ai débordé un tout petit peu d'orange sur mes petites pierres, mais bon, ouais, c'est pas dramatique. Là, j'ai dit que j'allais revenir coller dessus, donc c'est pas grave. Mais en soi, j'aurais pu faire la même chose, quoi. Je suis plutôt contente du résultat pour l'instant. Pour l'instant. Du coup, alors mes petites têtes, ce que je vais faire, je vais pas reprendre celle-là parce que celles-là, elles ont commencé à être coloriées, mais pas finies. Je sais pas si vous l'aurez vu. Hop. Bon, par contre, comment gâcher des dots là. Celles-ci, en fait, elles sont. J'ai grisé un petit peu l'intérieur du crâne. Mais j'ai pas fait les yeux. Bref. Donc, je vais aller chercher dans ma petite boîte. En espérant avoir ce qu'il faut. Dans ce petit sachet-là. Vous voyez, j'ai des têtes qui sont déjà prêtes avec les yeux en noir, le nez en noir, tout ça, tout ça. Donc, j'espère avoir normalement, vu la quantité, les bonnes têtes. Et je vais venir les coller tout de suite. Ça sera fait. Voilà, voilà. Donc, celle-ci. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? C'est celle-là. Donc, on va la coller. Celle-là. Non, on ne l'a pas. Celle-là, c'est celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Impeccable. Ensuite, ensuite, on a une comme ça qui regarde par là. C'est celle-là. Ensuite. Non. 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 Alors, j'en cherche un avec un tout petit œil qui regarde vers là-bas. Alors, paf, paf, paf. Comment perdre du temps? C'est génial. Pas grave, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Je sais pas pourquoi, je sens que la seule que je cherche à. La seule que je cherche, non, j'en cherche deux, mais bon. Alors, attendez. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non.
Ah, punaise, punaise, punaise. Non. Celle de face, non. Celle-là. Non, c'est pas la bonne. Bon, du coup, j'ai pas retrouvé les deux que je voulais. Je les avais pas comme par hasard. Donc, du coup, j'ai repris les petites comme ça où j'avais fait que le crâne en gris. Et je vais venir faire les yeux et le nez en noir. Tout simplement. Je vous jure qu'on va perdre du temps, bêtement. Bon, de base, je voulais juste m'occuper de m'occuper. Faire les tamponnages de fond. Donc faire les têtes en tamponnage. Bref, vous avez compris ce que je vous ai dit au début, quoi. J'y vais au feutre noir. Je sais plus ce que j'avais pris pour faire. Je pense que j'avais pris les magicals. Les magicals, non, les néocolor 2. Pour faire les autres. On verra pas bien la différence. Hein. Hop. Petit creux du nez. Ici également. Et c'est bon. Du coup, je vais pouvoir les coller. Donc là, je vais les coller avec les sticky. Parce que même s'il y a une petite épaisseur, on apercevra quand même le petit, éventuellement le petit trait en dessous du crâne. Tamponnage que j'ai fait juste avant. Et c'est pas gênant, je trouve ça plutôt pas mal même. Lui, c'est celui-là qui va là. Ok. Hop là. Petit troisième. Que je me mette bien à droite. J'aime bien le fait qu'il y ait un peu d'épaisseur, sympa. D'épaisseur. Pas non plus de la grosse mousse 3D, hein, mais ça fait un petit. Ça relève un petit peu, quoi. Bref. Et le petit dernier. Ici. Voilà. Bon, en soi, on a déjà fini une bande, hein, une case. Hop là. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite. pardon. Je suis gênée. C'est bon, j'ai tout ça à mon cou, c'est bon. Du coup, on va s'occuper de notre petit fantôme. Pareil, on va venir noircir l'intérieur de la bouche et des yeux. Je garde le même crayon parce que bah, ça marche très bien. Donc, je vois pas pourquoi je changerais. Ah, désolé, je prends mon temps. Puis, je suis pas juste en face, alors je fais attention. Hop, dans ce sens-là, ça aurait été plus simple. En fait, je suis bête. J'aurais été plus près de mon dessin. Ok, pour ça, le petit creux du nez là. L'intérieur des yeux là. Ok. J'hésite à venir lui faire des petites ombres. En même temps, un fantôme censé être blanc. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Je voulais faire des petites ombres un peu comme sur le crâne de mes squelettes là, de mes têtes. Un peu de gris, question de dire. Mais non, c'est très bien comme ça. On va pas se prendre le chou. Du coup, là. En bas, on va s'occuper de cette case. Ça va être assez simple. Une planche de tampon. Et je vais prendre le Happy Halloween avec la sorcière qui est là. Il va venir en bas. Voilà. Donc là, par contre, il va me falloir ma planche. Ma planche, elle est rangée à sa place. Encore plus de bruit, c'est pas grave. Hop, du coup. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre? Bon, comme ça. Hop. Hop. On va venir positionner notre tampon bien où il faut.
Ah, c'est tout pile entre les pierres tombales. Hein. Tout pile. Hein. Monter un tout petit peu. Hop. Hop. Et normalement, c'est bon. Ok. Du coup, mon encre. Alors, ça fine. J'en ai bien partout. J'aime pas du tout le fait qu'elle ait un défaut, ma plaque. C'est vraiment gênant. Je suis pas à l'aise. Là, je vois que ça sert plus que là et ça me. Bref, j'ai du mal à m'en servir, tout simplement. On va remettre une deuxième couche parce que c'est pas assez noir à mon goût. Je sais pas si vous voyez bien vous, mais vous voyez, même dans la robe de la ou dans la citrouille ou dans la robe de la sorcière, on voit des petits points orangés. Donc on va remettre une deuxième couche. D'où l'avantage d'avoir une petite plaque comme ça, mais ouais, la mienne elle a un défaut et j'en suis pas très très contente. Elle fait son job, hein, mais j'ai du mal à m'en servir autant que je me servais de mon ancienne. J'ai les ongles orange. Je me suis peinturluré les ongles avec la distress. Bref. Oula. Ouais, c'est un peu mieux. On va s'arrêter là. Ça n'a rien insisté trop. Nettoyer mon tampon. Hop, enlever de là. Hop là. On pose ça là-bas. On referme la Versafine. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, il nous fallait dans ce défi utiliser le tamponnage. Bon, ça c'est fait. Hein, et de la pâte de structure. Donc, pour la pâte de structure, j'avais sélectionné ce petit pochoir. Voilà. De Timols. Avec des taches. Et j'avais envie d'en mettre là. Alors, par contre, j'avais envie d'en mettre là, mais j'avais envie de tamponner aussi là. Toujours avec la même planche que ma sorcière du bas là. Je pensais remettre la maison que j'avais mis aussi sur le défi de Sylvie quand j'ai fait mon moodboard. Et j'aime bien l'idée. On a déjà une sorcière ici, donc on va pas venir en remettre une autre. Ouais, je vais en fait je vais reprendre ma plaque. Je vais reprendre ma plaque et je ferai la pâte de structure après. Hop là. Là, je vais me décaler parce que encore une fois, le problème de la plaque qui me fatigue. Bon, en gros, j'aime pas venir tamponner vers là, là. C'est la moitié de la plaque qui me sert à rien, on va dire. Même si j'arrive quand même à m'en servir, mais bref. On va faire ça comme ça. Va pas y avoir 3 millions d'éléments, hein, mais ça va être vite plein, parce que c'est déjà presque plein. Mais ça va être un petit peu cohérent. Je pense, ça va être pas mal. On a besoin d'une deuxième couche. En soi, non. Bon, on va quand même question de dire, mais en soi, c'est du comme des traits au crayon, quoi. C'est pas comme s'il y avait des choses pleines, des endroits pleins d'encre. Hop. Voilà, ça ressort bien. On va s'arrêter là. Ok. Ok. Je vais ranger ça ici. Je vais sécher un petit peu mon encre. Ouais, elle est pas sèche du tout. Je vais sécher un petit peu avant de venir faire mes muses avec la pâte de structure. Bon, j'ai donné un petit coup d'Egen, mais je sais pas si ça change grand-chose. En plus, je viens de m'apercevoir que j'ai dû mettre la main ici, parce que dans les creux de blanc, bah, y a du orange. Voilà, j'ai dû frotter avec ma main, là, ça sert à rien.
c'est pas grave. On va essayer de faire un petit peu plus délicatement les choses. Du coup, pâte de structure. Pâte de structure, il me faut ça. Il me faut ma pâte. Et il me faut mon couteau. Il est où? Comme par hasard. C'est bon, j'ai remis la main dessus. Du coup. On va essayer de positionner ça un peu comme on veut, comme il faut. Il va me falloir du washi. Ou je prends directement le scotch comme ça. Alors, du coup. Hop. Donc, je veux cette tâche. Je veux pas celle-là. Ah ouais, mais alors j'ai peur de faire des bêtises en mettant du washi sur mes tamponnages. On verra bien. On verra bien. Donc, je veux ça, mais je veux pas ça. Bien positionner. On va essayer de bien positionner. Hop, ok. Ah, il passe déchiré à la main, il n'est pas pratique. Hop, je veux pas là. Je veux pas là. Par contre, je veux bien là-bas. Et je veux pas là. C'est tout. Ah mince. Bon, normalement, on est pas mal. On est pas mal. Et je vais le faire en blanc, tout simplement. Parce que je suis en train de m'apercevoir que déjà d'une, j'ai pas mis de citrouille. De deux, mon fond est orange, blanc et noir. Ah bah ça va rester orange, blanc et noir. Voilà. Moi, je pourrais le faire en noir, hein. Je pourrais ancrer ma pâte, mais pas envie. Flemme. Flemme, flemme. Oh, j'en ai peut-être un peu beaucoup là. Allez, c'est parti. Hop. C'est de la pâte fait maison. Hein. Vous avez déjà vu mes anciennes vidéos. Bon, ancienne. Pas si vieille du coup. Mais c'était un défi de Sylvie aussi pour faire la pièce de puzzle là. De Sylvie, n'importe quoi, je confonds les défis maintenant. De Sophie, pardon. Pour faire la puzzle, bah, il me fallait de la pâte et du coup, bah, j'en ai préparé de la maison. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. On va venir gentiment, hop là, enlever ça. Enlever ce qu'il y a là aussi, ce serait bien. J'ai rien d'autre sous la main. Hop là. Okay, je nettoierai mon pochoir après. On va juste enlever ce qu'il y a sur le washi délicatement. Ah oh, purée, voilà, délicatement. Je fais des bêtises sur mon. Je m'épuise. Ah, ça a fait des bêtises sur ce que j'ai mis. Bon, ça va, c'est pas choquant non plus. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais peut-être en remettre ailleurs, mais. Je sais pas trop où en fait. Est-ce que j'en remettrai pas un peu en bas là? Juste un petit peu comme ça. Allez, on va remettre un petit peu. Question de jouer le jeu à fond quand même. Ah là, si je fais tout bouger, ça va pas le faire. Alors là, par contre, vu que j'y vais sans protection, on va y aller doucement. Je vais pas faire ce trou là, faire les autres. Ok. Ok. Là. Hop. Là. C'est juste question de faire un petit rappel avec en haut. Hop. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais fignoler vite fait avec mes néocolores. Ouais, au final, j'ai décidé que donner un peu de.
Un peu de, je sais pas, de relief ou je sais pas quoi, de couleur à mes... Alors, elle a une tache, là. Je sais pas pourquoi il y a une tache sur sur mon fantôme. Ça me saoule. Bref, je viens prendre du gris. Bon, c'est du gris, gris. Non. Gris clair. Il est cassé, mon... Il est au couleur, c'est pas grave. Je viens attraper un pinceau. On va prendre celui-ci. On va venir prendre de l'eau. Hop. Et on va venir faire des petites modifications. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il était trop blanc. Faut que je casse un petit peu le fait qu'il soit trop blanc. Alors, je vais pas venir en mettre partout. Ça va être à certains endroits. Ok. Un côté bien dilué avec de l'eau. Hein. Parce que je veux pas que ça fasse trop de marques. Je sais pas si vous verrez la différence. En tout cas, moi je la vois. Non, on voit rien. Mais c'est pas grave. Je vais faire pareil sur les pierres. Juste un petit effet d'ombre. Sur le côté gauche des pierres, j'aurais pu le faire à droite, mais je le fais sur le côté gauche et sur le bas. Alors là, ça va être un petit peu plus délicat parce qu'il y a du orange déjà dessus. Ah ouais, ça fait caca. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en même temps, c'est pas censé être super propre une pierre. Si personne s'en est occupé depuis longtemps. Hein, voilà. Ok. Rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Il va falloir que j'enlève mes washi et que je trace mes contours au crayon noir. Ça va être rigolo, en sachant que ma pâte n'est pas encore sèche. Faudrait que je lui mette un petit coup de gun. On va faire ça. J'ai mis un petit coup de gun. J'ai commencé à décoller un petit peu mes bouts de washi qui étaient derrière ma page. Ouais, je décolle avec vous parce que s'il y a une cata qui arrive, autant que ce soit en vidéo. Ce serait pas drôle sinon. Ça serait drôle que pour moi. Bref, allez, c'est parti. On commence à enlever tout ça. Ok, on arrache un peu n'importe comment, c'est génial. Hop là, on est plutôt pas mal pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Ah. Hop. Viens là, toi. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Je le dis toujours, il y a toujours une connerie qui doit m'arriver, c'est à moi, quoi. Là, c'est mon papier qui a pris. Et je comprends pas parce que ce washi, il tient pas à waouh, hein. Il tient pas des masses. Hop là. Bon, j'ai récupéré un bout de papier que je vais pouvoir essayer de recoller. Et pas déchirer à fond. Voyez, délicatement. C'est vrai qu'en même temps, moi, la délicatesse, c'est deux choses différentes. Hop là. Je sais pas si vous avez vu ma pâte de structure, elle a moitié un petit peu jaunie. Elle a pris un peu la couleur de l'orange de ma distress. Et on voit le trait de la toile d'araignée blanc par dessous. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Alors là, on va recoller ce petit bout qui se balade là. Je cherche ma. Je cherche ma. C'est un bordel monstre autour de moi. Je veux mon stick. Il est là. Ok. Hop là. Allez, remets-toi à ta place, s'il te plaît. Et n'en bouge plus. Bon, petite bêtise, hein, mais bon. Une vidéo de Marie sans bêtise, c'est pas une vidéo de Marie. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de crayon noir. Comme ceci, avec une règle, ce serait mieux. Autour de tous mes cadres. Et ma page sera terminée. Du moins, mon mood board. Hop. Je fais ça sans vous, je reviens. Et voilà, mon défi est
terminé. Des tamponnages, de la pâte de structure. Bon, j'ai pas mis beaucoup de pâte de structure, mais il y en a. Voilà. Des tamponnages directement faits sur la page. Des tamponnages faits et découpés et positionnés par-dessus comme ceci pour faire une petite épaisseur. Et puis voilà. Pas grand chose en soi d'extraordinaire, mais j'ai quand même mis 40 minutes à faire ça. Mais elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Rien à voir avec celle que j'avais fait pour le défi de Sylvie. J'étais partie sur carrément une autre idée de base. Mais ouais, voilà. Celle-ci me plaît peut-être un petit peu plus, du coup. Un peu différent, mais voilà. Des petites boulettes, hein, comme là, bah, l'encre orange qui est partie sur sur la toile blanche. Mais bon, c'est pas grave. Le fait que j'ai déchiré un peu de papier, n'en parlons plus. J'ai les mains dégueu. Bon, ça va, il y a pire, mais quand même. Bref, voilà, j'espère avoir relevé le défi. Je vais essayer de le mettre en temps et en heure. Je crois que c'est avant le 3 novembre qu'il faut l'avoir fait, le défi. Bon, moi, après, les défis, je les kiffe. Donc, même si je les vois et que la date est passée, ça ne m'empêchera pas de les faire, comme j'avais fait pour la pièce de puzzle, justement. Si vraiment c'est un défi qui me plaît et que j'ai envie de faire, voilà, ça, peu importe la date, si elle est passée ou pas. Principal, c'est de se faire kiffer. Voilà, je vais arrêter ici parce que cette vidéo est déjà extrêmement longue. J'espère que quand même que vous aurez passé un bon moment avec moi. Il n'y a rien de waouh, hein. Je vois pas pourquoi elle a duré aussi longtemps. Peut-être parce que trop d'hésitation et que j'avais prévu des choses au début que j'ai pas fait, que j'ai changé de choix, de choix, de choses, quoi. Bref, mais bon, j'espère quand même que ce petit moment vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut.